Effectivement, quand on imagine ça dans ce dispositif assez large, on voit qu'au résultat, donc, ça a forcément une importance, et en particulier pour la population locale. Un travail de prévention dont le but est aussi de protéger les berges. Mais les responsables départementaux pensent déjà à l'après-crue et aux travaux colossaux qu'il faudra entreprendre sur la rivière et sur les routes. Il faudra certainement reconstituer les chaussées, protéger les fondations des ouvrages et remettre en état des berges du canal qui ont été fortement érodées par le courant très important que nous vivons actuellement. Le 11. Le 35. Le 36. Et le numéro complémentaire de ce premier tirage, le 33. Je vous donne rendez-vous après le journal de 20h.